vivons actuellement au Sénégal une profonde crise politique. C'est une crise de la démocratie, de la République, des institutions, de la représentation, de ce qui fait lien et tient le corps social, des valeurs autour desquelles nous nous reconnaissons en tant que nation. En somme, une crise de la communauté politique. Les chroniques d'un temps politique ont pour but de saisir ce temps, de le comprendre, d'en élucider les dynamiques historiques et contemporaines, de comprendre comment en est-on arrivé là et de proposer des voies de sortie de crise. À chaque émission, nous invitons des universitaires, des intellectuels, des artistes, des personnalités de la société civile qui, de par leur profession, leur expertise, leur regard, leur engagement, leur talent et leur conviction, peuvent nous éclairer. Ces chroniques font la part belle aux universitaires. L'université fait profession de vérité. Elle se doit de comprendre la réalité sociale et de l'éclairer. Son éthique lui commande de ne pas mentir sur ce qu'elle sait. Ces chroniques partent de la conviction qu'une parole juste participe de la totalité des actes qui produisent le changement. Une telle parole fondée sur un savoir, une expérience, est portée avec lucidité, clarté et courage, est nécessaire au temps que nous vivons. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'entrer en conversation avec le professeur El Hadji Sambagnaï. El Hadji Sambagnaï, bonjour. Bonjour, cher Benjamin. Bienvenue. Vous êtes maître de conférence en droit privé, agrégé des facultés de droit et vous enseignez à l'Université Charles Diop de Dakar. Vous êtes spécialiste des questions de droit international privé et de droit civil. Donc aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous de la démocratie, de la question de la démocratie sénégalaise. Et j'aimerais vous demander, à l'entame, comment est-ce que vous caractérisez la démocratie sénégalaise? Alors, répondre à cette question m'invite à proposer une interrogation. Est-ce que l'on est à l'apogée d'un cycle démocratique ou vit-on un renouveau de la démocratie sénégalaise? Poser cette question pouvait être considérée comme étant une forme, en tout cas, c'est jamais un contre-courant de tous les commentaires, toutes les analyses qui sont faites et qui sont témoins aujourd'hui du balbutiement qui a été noté, des tumultes, en tout cas, de cette démocratie sénégalaise. Mais est-ce que nous devons en désespérer ou, pour utiliser une formule souvent connue, de quoi toutes ces tumultes, en tout cas, sont le nom? De mon point de vue, j'estime qu'il ne faudrait pas peut-être trop négativiser l'analyse à produire à l'observation de toutes les manifestations, toutes ces fissures, en tout cas de la démocratie sénégalaise. Et j'ai la faiblesse de croire que plutôt que d'en désespérer, c'est peut-être nous serions, en tout cas, à l'apogée d'un cycle démocratique. Est-ce qu'on peut faire le constat d'une crise, la crise comme étant un moment où les choses ne peuvent plus durer telles qu'elles sont, un moment qui nécessite un changement et que ce que vous appelez ici apogée, aujourd'hui les temps contemporains qui sont les nôtres, ne sont-ils pas l'expression d'une crise d'un fait démocratique? Effectivement, observer tout ce qui se passe sur la scène politique. Le terme crise pourrait être considéré comme étant le qualificatif ou la qualification qui pourrait répondre de tout ce que j'ai déjà en tout cas dit. Il s'avère que tout dépend de ce que l'on observe. Est-ce que c'est notre démocratie de contemplation qui est en crise, ce que j'appelle démocratie de contemplation. Nous sommes au Sénégal et pour avoir été témoin en tout cas de la vie politique depuis 2000, parce que j'ai commencé à voter à l'élection présidentielle qui a porté au pouvoir le président Abdoulaye Wade, de cette période jusqu'à maintenant, on s'est souvent gargarisé de notre modèle démocratique dans le sens où c'est un modèle qui, malgré quelques conflits, permettait de faire partir un président qui voulait rester.
et de mettre à sa place quelqu'un qui aspirait à le devenir. On a eu deux alternances. Ces deux alternances ont été ponctuées par donc un changement au niveau de la présidence. Et très tôt, on a projeté, en tout cas sur la démocratie sénégalaise, l'idée de vitrine, parce que ailleurs en Afrique, on n'arrivait pas à faire partir des présidents De manière apaisée. de manière apaisée. Et c'est ce qui a tout le temps entretenu le fétichisme autour du modèle démocratique sénégalais. Et de mon point de vue, il me semble que c'est une démocratie de contemplation parce qu'on s'attend à ce que la récitation du phénomène politique et démocratique prenne, en tout cas, le même parcours et que, finalement, l'idée de la démocratie sénégalaise, l'idée de la vitalité de la démocratie sénégalaise ne s'exprimerait que parce que on arrive à changer de président. De mon point de vue, il s'agit d'une démocratie de contemplation et à chaque fois que l'on parle de crise, l'idée est articulée autour de faire partir un président. On est en train, de mon point de vue, de passer de ce modèle à un autre modèle démocratique, à une autre forme de démocratie, une démocratie d'exigence. Parce que on se propose de faire une analyse du modèle démocratique sénégalais, on est quand même un peu interloqué par le caractère cyclique des problèmes qui se posent à chaque fois qu'il est question d'élections, surtout présidentielles. Donc, de 2000 au moment où je vous parle, on a connu donc deux alternances. Et pour ce qui est de la dernière élection, de l'avant-dernière élection présidentielle de 2012, à celle qui se projette, finalement, on est en train de traiter des mêmes questions. La société civile qui a été vantée, qui a été félicitée pour son activisme, pour faire germer dans notre société des préceptes démocratiques. Une partie de cette même société civile est aujourd'hui vouée aux gémonies parce que elle semblerait être cataloguée de société civile d'opposition, alors que l'on retrouve quasiment les mêmes acteurs. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que ceux qui avaient accompagné le président en place pour vanter, en tout cas, une mutation démocratique, faire en sorte que l'on puisse accéder au pouvoir par des idéaux démocratiques. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que cette même société civile soit vouée aux gémonies, comme je disais tout à l'heure, et que finalement on considère qu'elle serait coupable de toutes les formes de félonie à travers sa mission sacerdotale. Son discours n'a pas changé. Le contexte n'a pas changé, mais c'est les jugements qui l'ont été. Et ça invite donc à montrer qu'on est en train de vivre, peut-être sans le savoir, une transition démocratique. Effectivement, on serait tenté de croire que c'est une crise, mais encore une fois de plus, j'ai la faiblesse de croire que tout cycle prend fin et qu'on est à la fin d'un cycle et au début peut-être d'un autre. Et là, justement, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a l'idée que la démocratie, elle ne peut pas être que simplement formelle, électoraliste, qu'on ne peut plus se contenter simplement de procéder à des alternances, que plus qu'un régime politique, c'est un état de la société. Et il y a cette idée qu'il faudrait peut-être la lire dans le temps de l'histoire et lire la démocratie comme étant un cycle, donc avoir une lecture dynamique. Mais est-ce que dans le temps présent, il y a des éléments qui vous permettent de penser qu'on est en mutation ou en transition d'une forme de démocratie à une autre, dans ce que vous observez? Il y en a beaucoup, mais permets-moi d'abord de revenir un peu sur
le postulat de l'analyse que j'essaie en tout cas de proposer. Effectivement, quand on se place du point de vue de toute notre histoire démocratique, celle à laquelle j'ai participé et dont j'ai pu être témoin, la menace ou l'idée de crise est ponctuée par le fait qu'il y a pas mal d'actes et pas mal de manifestations qui donneraient l'impression qu'il y ait une crise démocratique. C'est vrai. Mais à partir du moment où on se place, comme vous l'avez dit, sur où, toutes les étapes marquantes de ce que vous avez caractérisé de démocratie formelle. L'idée, pour la première fois, émerge quant à la possibilité pour la société sénégalaise de reproduire son récit démocratique. Et c'est anxiogène, il faut ça, il faut la tester. Il y a beaucoup d'incertitudes et de plus en plus, nous sommes angoissés par l'idée qu'il n'y ait pas de certitude par rapport au jeu politique qui est actuellement en cours. La difficulté de savoir qui est candidat, tout ceci révèle que les incertitudes sont plus nombreuses que les certitudes du moment. Mais l'approche statique génère ce côté anxiogène. L'approche dynamique est à articuler avec l'idée d'un certain optimisme, parce que quand on écoute les acteurs politiques, quand on écoute le commentaire des Sénégalais, ces Sénégalais, ces acteurs politiques ne veulent plus d'un système. Il y a un désir de quelque chose de nouveau, les manigances, les deals, Le clientélisme. le clientélisme, la transhumance, etc., etc., l'irrespect de la parole donnée, la tartufferie dans la manière de faire ses annonces politiques, ses projets politiques, ses ambitions politiques, on n'en veut plus. Donc il y a un paradoxe entre cette violence, cette angoisse, les manifestations qui sont durement réprimées et un certain optimisme qui n'est pas clairement, en tout cas, imprégné, mais qui révélerait l'idée qu'on est aux encablures de quelque chose de nouveau. Et ça me permet de parler des manifestations qui tendraient à faire croire que l'on est à la fin d'un cycle. Les coalitions gagnantes, aujourd'hui, ont le vent en poupe et on n'assiste plus à des partis idéologiquement marqués. La gauche, Oui, il y a une fluidité il y idéologique. a une fluidité idéologique qui montre que on est à la fin d'un temps. La vassalisation de la presse, on ne fait pas confiance à la presse, à la presse Et officielle classique. et classique de l'État, mais on s'est rendu compte que la fabrication du message politique, la fabrication du discours politique a créé également aussi une forme de vassalisation de la presse privée, qui avait joué en son temps un rôle remarquable pour justement faire émerger cette démocratie de première génération, que j'appelle de première génération, celle qui permet des alternances, etc. Il y a une bipolarisation du jeu politique. L'idée d'opposition radicale, l'idée de d'opposition dans l'opposition, l'idée de coalition gagnante au pouvoir, fait germer l'idée d'un manichéisme dans la manière d'interpréter le jeu politique. On n'est plus dans la logique d'un éparpillement des offres politiques, on assiste à une forme de condensation
des offres justement politiques. À mon sens, c'est également une manifestation. Pour la première fois, le débat sur le régionalisme, le débat sur l'ethnicité, affleure les discours politiques. De toute mon expérience d'électeur ou d'acteur, en tout cas, du jeu politique, ces deux termes n'ont jamais eu La résonance qu'ils ont la aujourd'hui. résonance qu'ils ont aujourd'hui. Quand on parlait de régionalisme, on était dans une offre politique publique, décentralisation, Ou de territorialité des politiques exactement. publiques. Mais aujourd'hui, on l'utilise à d'autres fins pour défendre un étendard politique ou pour opposer au pouvoir en place une forme de résistance et on en fait un sujet politique. Mais un sujet politique qui a un effet, si vous me permettez le terme, dénationalisant. Pour la première fois, on assiste à des phénomènes politiques dont le message politique est fabriqué avec l'idée d'un mouvement participatif. On avait tendance à voir des personnages politiques qui en réalité finissaient par créer leur parti politique après avoir pendant longtemps collaboré avec le pouvoir en place et on peut se poser légitimement des questions sur les sources De de leurs leurs ressources, revenus, de de leurs leurs ressources ressources, et de leurs trésors de guerre. le trésor de guerre. Pour la première fois, on assiste au développement d'un crowdfunding qui clairement consiste à dire que aux acteurs politiques, vous avez la responsabilité de faire des offres politiques, mais ces offres politiques seront financées par nous, les citoyens. 1 000 francs, 500, et quelquefois c'est des grosses sommes. Et ceci a été possible en marge même de la loi, parce qu'au début, quand de tels phénomènes étaient perceptibles, on n'était pas loin de penser que ça pourrait être une source, en tout cas, de remise en cause d'une telle légitimité, parce que ce serait en marge de la loi. Mais de plus en plus, on considère que c'est une alternative, et c'est une alternative qui permet non seulement la diffusion de l'offre politique au niveau des populations, mais aussi, et de façon beaucoup plus remarquable, ça permet pour la première fois de dire qu'un parti politique n'est pas l'affaire d'un homme politique, mais d'un message qui reçoit l'assentiment et le ralliement d'une bonne base de la population. On s'est rendu compte également que la société civile, de plus en plus, sort, une certaine partie de la société civile sort de son axiome de neutralité. Donc cette société civile, qui en partie, de plus en plus, se voit qualifiée de partisane, elle défendrait les intérêts du pouvoir et certains ne sont pas sans cacher. La caporalisation des représentants de la loi, magistrats, forces de l'ordre et de sécurité, de façon beaucoup plus anecdotique, il est arrivé que des préfets et des administrateurs civils saisissent la justice pour défendre des intérêts qui, de façon explicite ou implicite, profiteraient au pouvoir en place. Et enfin, les slogans de défiance à l'encontre des institutions, à côté également d'une logique de défiance de certains partenaires, de ceux qui sont crédités être les amis du pouvoir. Je reparlais pour la première fois l'apparition de certains slogans, France dégage, etc., etc. Donc, voici assez de manifestations qui montrent que on ne se satisfera plus
qu'il y ait juste une alternance, mais il faudrait de façon beaucoup plus substantielle qu'il y ait une concrétisation de l'offre programmatique qui a été à l'origine de la sélection de celui qui aspire à diriger la nation sénégalaise. Alors, à côté des manifestations, il y a aussi les raisons qui permettent de croire à la fin Cycle. de ce cycle. Il y a également des éléments prégnants qui peuvent justement l'attester. Pour la première fois, nous assistons au Sénégal à un changement sur le discours des ressources naturelles. La gestion des ressources naturelles, le discours sur la gestion des ressources naturelles. Moi, j'ai grandi avec l'idée que nous étions un pays très pauvre, que nous n'étions En pas ressources en naturelles. ressources naturelles, que nous n'étions pas dotés par la nature de ces ressources et que nous devions nous contenter de cacahuètes et de riz, en quelque sorte. Et pour la première fois, nous avons l'impression que notre développement peut être endogène et permettre à tous les citoyens d'accéder au bonheur, Ou bien-être. au bien-être. C'est quelque chose qui est fondamental et ça a une portée paradigmatique sur même la fin justement de ce cycle. Tous les acteurs aujourd'hui influents de la vie politique insistent sur l'apport attendu de l'exploitation de ces ressources naturelles. Et je ne parle pas seulement des ressources naturelles telles que le gaz ou le pétrole, mais celles mêmes qui étaient exploitées depuis une vingtaine d'années et qui ne profitent ni à l'État pour lui permettre d'être cet État social qui organiserait la solidarité nationale, a fortiori ces devises étrangères qui sont annoncées et qui, pour l'essentiel, ont suscité, de mon point de vue, le premier acte de la fin du cycle démocratique, parce que tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de tumultes autour de la gestion des contrats qui allaient permettre aux majors du pétrole et du gaz de pouvoir s'accaparer du pétrole et du gaz sénégalais. Donc ce changement de discours sur la gestion des ressources naturelles engendre un optimisme, et cet optimisme est utilisé par les acteurs politiques nouveaux. Il y a également aussi une urbanisation qui ne cesse de supplanter la ruralisation. Donc, de plus en plus, le Sénégalais est beaucoup plus proche d'une ambition de modernité. Et à travers l'éthique, on peut très rapidement faire le bilan de tout ce qui a été fait, et ceci seulement, pas seulement au niveau national, mais au niveau également aussi local. Le président sortant a également contribué négativement à la fin du cycle démocratique qu'il a porté au Au pouvoir. pouvoir, en ce sens qu'une démocratie requiert d'être arrosée. Et au contraire, la démocratie sénégalaise depuis 2012 est devenue aride. Il n'y a pas eu véritablement des réformes dont l'ambition était de donner une vitalité Et de renforcer le fait et de démocratique. renforcer le fait démocratique. Et en l'absence justement de cela, la démocratie, le modèle démocratique, le cycle démocratique se meurt. Et toutes les contestations, toute la violence n'est pas née d'un changement d'un politique seulement. Mais c'est parce que aussi, on est de plus en plus conscient que le cycle démocratique en tant que tel ne peut plus engendrer ce bien-être, ce bonheur, parce que les populations sont de plus en plus informées. Les populations sont de plus en plus conscientes que leur activisme politique ou leur lecteur ou la lecture en tout cas du jeu politique
devrait être de leur part, devrait susciter à leur niveau un intérêt et les exigences se démultiplient autour justement de cela. Les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, et c'est pas pour rien que les acteurs politiques en place, le pouvoir en place, a une forme de regard médusé sur le déploiement et le développement de ces réseaux sociaux. On nous annonce des lois pour Les contrôler, les contrôler, une velléité de les contrôler, quoi. voilà, parce que l'homo sapiens, ne faisant plus confiance à l'organe du pouvoir, l'organe de communication du pouvoir, et également aussi à certaines presses privées, ne manque pas de les chercher la bonne ou mauvaise information au niveau des réseaux sociaux qui, et ça c'est l'élément qui me semble être le plus déterminant, qui rend la mémoire de nos nations moins sénile. Le phénomène des VAR, le phénomène du rappel du message qui un temps a été oublié, est souvent un élément de prise de conscience du citoyen et de l'électeur sur la grande versatilité de nos hommes politiques. Et nous avions l'habitude de faire face à des nations, à une société sénégalaise qui était sénile, dans le sens où on ne se rappelait pas des faits d'armes justement des acteurs politiques. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on fait des communications autour de la versatilité des. Et ceci crée une forme naturellement d'objection et quelquefois même de dégoût de l'homme politique sénégalais. Et cet homme politique sénégalais, le vœu le plus ardent des citoyens, c'est qu'il change. Et malheureusement, le cycle démocratique qui est en train de se terminer emportera la race de certains hommes politiques. On a également aussi une élite non partisane. On nous a toujours dit que oui, il ne faudrait pas laisser la chose politique à des personnes qui y sont pour leur prébende, qui ne sont pas, j'aime pas le terme intellectuel, parce que l'idée est de faire comprendre en quelque sorte qu'il faudrait que les personnes les mieux formées s'intéressent effectivement au destin de la nation. Parce que sinon, la nature ayant horreur du vide, c'est d'autres qui décideront effectivement, et peut-être moins qualifiés, qui décideront de ce qu'il y a de meilleur pour cette nation. Mais on se rend compte de plus en plus que cette élite, même si elle continue à être non-partisane, est éminemment politique. C'est un fait historique de voir des universitaires faire des manifestes, prendre des positions, occuper les stations de radio, les plateaux de télévision pour donner à la Constitution, aux problématiques juridiques, aux problématiques politiques, une teneur mais fortement sociale. C'est le lieu de remercier d'ailleurs certains universitaires qui, sur les plateaux de télé, Ils font le travail. ils font le travail, ils font une œuvre de socialisation justement de la Constitution, par exemple. La Constitution est entrée dans le langage vernaculaire. Aujourd'hui, tous les citoyens peuvent se positionner par rapport à certaines garanties que leur confère justement la Constitution. Et La liberté de la manifester, liberté de manifester, l'article 27, la liberté de mobilité, exactement, quand vous entendez des personnes qui ne sont sont de pas commencer. peut-être très, qui ne sont pas outillés pour comprendre certaines subtilités de la dialectique juridique, politique, vous expliquer en évoquant même des textes ou des dates de loi, les lois qui organisent les manifestations, c'est quelque chose de pas vraiment salutaire. Et cela permet de faire en sorte que la société sénégalaise soit moins dépolitisée. Et c'est pour cela d'ailleurs que cette ferveur politique, à en juger même la période de révision qui a été raccourcie, il y a un paradoxe entre l'engouement suscité par
les élections. On s'est toujours plaint d'élections avec un taux de d'abstention Très élevé. très élevé. Et pour la première fois que l'on sent qu'il y a un balbutiement, paradoxalement, on a raccourci les délais donc tout ceci ne vient pas du néant. C'est annonciateur d'un cycle démocratique nouveau. Et j'en terminerai très rapidement. La parcellisation des foyers religieux. Le phénomène, le pouvoir religieux venait souvent, et d'ailleurs au moment où je vous parle, c'est le cas, vient souvent au soutien du pouvoir En politique, support. en support du pouvoir politique. Mais de plus en plus, la politique est en train de parcelliser les foyers religieux. Et ceci a une incidence incroyable du point de vue de l'électeur, du citoyen que je suis. C'est que dans les familles politiques, même dans les familles religieuses, on parle de politique. Il y a des clans politiques. Et donc, la vigueur du message politique fabriqué dans les familles religieuses perd de sa vigueur. Et ceci, de mon point de vue, est également aussi une raison qui fait que le cycle démocratique de 2000 à maintenant est peut-être sur le point de prendre fin. Et la dernière chose qui n'est pas souvent, qui n'attire pas souvent l'attention des analystes, c'est la satellisation des universités. Avant, c'était à Dakar ou certaines grandes régions où on polarisait véritablement les velléités de certains de faire de la politique à leur manière et de s'intéresser en tout cas au débat public. Mais avec le phénomène de la satellisation des universités, dans les régions, dans les villes, etc., il y a une propagation d'une certaine forme, je le dirais en ces termes, d'intellectualisme de la part, effectivement, de ces étudiants-là, qui sont souvent connectés aux sociétés qui les accueillent. Et tout ceci permet d'avoir une lecture politique qui n'est pas très décalée entre Dakar et peut-être Kaolack, ou alors Thiès, etc. Parce que le mouvement estudiantin, tout le monde sait que c'est un mouvement qui est souvent extrêmement salvateur pour le développement local. Et ceci n'est pas également à minoriser. Ou à minorer plutôt, à minimiser lorsqu'il est question justement de se faire de faire une lecture sur sur ce que j'appelle ce cycle démocratique Là, je sens, Madia, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des mutations sociales profondes et les aspirations démocratiques des Sénégalais ont changé et sont devenues beaucoup plus exigeantes. Et que, bien évidemment, la démocratie, c'est ce lieu où le pouvoir est partagé, où le pouvoir est contrôlé, mais où aussi le bien-être est partagé. Et que, de par les éléments que vous avez indiqués, il est clair que l'Homo sénégalensis a des exigences beaucoup plus hautes qu'auparavant. Et ceci pourrait déboucher vers un renouveau démocratique. C'est ça. Si on devait repenser la démocratie si sénégalaise, aller vers ce renouveau, selon vous, qui sont les acteurs, qui pourraient être les principaux acteurs de ce renouveau? Les sociétés elles-mêmes, l'activisme politique ou le pouvoir exécutif? Je pense que c'est pas une démocratie à repenser dans des bureaux, dans des cénacles d'intellectuels où on pourrait donner des orientations, etc., et pouvoir dire est-ce qu'on attend de ceci ou de cela qu'il fasse effectivement le job. Donc, elle se réinventerait dans les luttes, Mais dans la oui, rue. c'est exactement cela. Et c'est pour la première fois où on sent que les intellectuels, les universitaires sont en partie désinvestis de la mission de repenser justement la démocratie. Justement, cette démocratie, elle se popularise peut-être, mais elle vient justement des bas-fonds du peuple. Et elle ne pourra en réalité se réinventer qu'autour d'idées, mais pas de personnes.
Et ces idées-là, pêle-mêle, amènent à, par exemple, s'intéresser à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai été très admiratif des Sénégalais quand, aux dernières élections législatives, on a, pour la première fois, De l'histoire du expérimenté, pays. et de l'histoire, expérimenté une telle cohabitation. C'est un terme qui est honni par le pouvoir Mais en dans les place, faits, quoi, mais dans mais les dans faits. les faits, ceux-là même qui disaient, avant les élections législatives, qu'il faut nous donner la majorité pour que l'on gouverne. Après les élections, ces mêmes personnes nous disent que c'est une manifestation de notre vitalité démocratique que d'avoir une cohabitation. On trompe qui? Dans les faits, qu'est-ce qui est fait justement de cette cohabitation-là? Pour la première fois, on voit un groupe parlementaire affilié à l'opposition, dite radicale, qui demande des comptes. Mais paradoxalement, on a l'impression que pour la première fois que l'Assemblée nationale pouvait bénéficier à la démocratie sénégalaise, on voit que les choses ne se passent pas comme on l'aurait souhaité. Oui, parce que le président de l'Assemblée ne reconvoque plus Exactement. les sessions. Exactement. Donc, du coup, l'espace de débat L'espace de a débat été annihilé. est Donc, de annulé, fait, quoi. alors que tous les éléments étaient favorables justement à ce que, pour la première fois, que l'on mesure l'apport, en tout cas, d'une forme de démocratie qualitative, où les opposants s'opposeraient à l'Assemblée nationale par rapport aux politiques publiques qui ont été proposées, et le tout pour le bénéfice de la nation sénégalaise. Mais il n'y a pas justement ce débat-là, et les idées autour desquelles pourrait germer ce cycle démocratique nouveau, naturellement, devraient, de mon point de vue, s'inspirer justement de ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, mais pour faire en sorte que l'Assemblée nationale soit le lieu de discussion des politiques publiques du Sénégal, et que pour une première fois, que le député puisse se dire qu'il est là-bas à l'Assemblée nationale pour le bien, en tout cas, du peuple sénégalais, et non pour l'agenda du parti en place ou du parti qu'il représenterait, qu'il a porté au pouvoir au pouvoir législatif avec l'onction de la population sénégalaise. Le Conseil constitutionnel, on ne peut plus se satisfaire de cette juridiction dans la manière dont elle est pensée et dans la manière dont elle agit. Ce n'est plus possible. Il faut, de mon point de vue, l'ouvrir pour que qu'elle, en tant que juridiction, qu'elle participe pour la première fois à l'édification d'une conscience nationale. Et pour la première fois, peut-être, il faudrait, comme on le fait dans les pays anglo-saxons, permettre aux juges de faire des opinions dissidentes pour que, dans la manière de dire le droit, dans la manière de penser le droit, que le peuple puisse comprendre que l'uniformité de la décision, elle n'apparaît que sur le texte de l'acte qui rend cette décision. Mais que les opinions, la réflexion, l'argumentation diffèrent d'un juge À un à autre. un autre, pour rendre la décision beaucoup plus humaine, beaucoup plus contradictoire dans la compréhension et beaucoup plus acceptable également aussi, en termes de l'idéal de diffusion du droit. Le débat programmatique, de plus en plus, on en parle. Mais les questions institutionnelles et ce qu'on pourrait appeler la crise autour des questions institutionnelles empêchent le Exactement. débat programmatique. On est, Exactement. et à Exactement. partir de ce moment-là, Mais aucun débat sur l'économie, sur le politique, sur on sent l'écologie. bien que c'est une demande sociale. On sent bien que c'est une demande nationale. Mais quand on voit les acteurs politiques pour la première fois, on voit des acteurs politiques pondre des livres pour expliquer leur offre politique, leur offre publique.
On est en train de basculer dans une nouvelle ère, donc, d'une forme de démocratie où on explique ce que l'on va faire avant d'en faire même un outil de communication. C'est inédit dans notre manière, justement, de voir les choses. En tant qu'analyste politique, si je peux me permettre cette étiquette, depuis 5 ans, 6 ans, on assiste de plus en plus à cette manière de faire des hommes politiques. Est-ce que vous avez compris? Et de manière beaucoup plus paradoxale, quand même le pouvoir en place adoube cette manière de faire, qu'est-ce que l'on constate? On constate que l'on peut opposer maintenant, parce que quand vous regardez et entendez les journalistes discuter à bâton rompu avec le président de la République, quelquefois, il est question de lui opposer le contenu De d'une son livre. affirmation, de son livre. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va se développer. Et pour la première fois, quand un président sera élu et sera porté au pouvoir, les gens s'attendront à lui opposer concrètement toutes les promesses qui ont pu être faites. Et c'est le lieu de croiser cela avec la portée grandissante à reconnaître à la parole donnée. On ne peut pas communiquer, expliquer son offre politique, son offre programmatique à des populations et au moment d'exercer le pouvoir, de leur opposer les subtilités de Du la technique langage. juridique ou du langage même, de façon plus. Donc, de mon point de vue, voici des idéaux qui, inéluctablement, porteront les strates, en tout cas, de cette démocratie nouvelle à côté de l'exigence de redevabilité des leaders politiques. L'exigence de redevabilité des leaders politiques sera à coup sûr un ferment de l'homme politique, pas à réinventer, mais qui arrive dans cette nouvelle scène politique. Alors, la dernière question que j'aimerais vous poser, quel serait selon vous le rôle des universitaires, des élites intellectuelles dans ce renouveau démocratique en cours ou à produire ou à espérer? Les universitaires sont avant tout vus par les acteurs politiques comme étant des technocrates. On arrive au pouvoir. Vous collaborez avec le feuillant politique et on vous confie une responsabilité que vous exercez, etc. Je pense que de la même manière que le cycle nouveau emportera pas mal d'acteurs politiques, l'université devrait se repenser à l'aune des nouvelles exigences attendues par le peuple et par les populations de sa fonction d'universitaire. Ce n'est pas un universitaire qui, de son piédestal, dira ce qu'il faut faire. C'est un universitaire qui devra nécessairement comprendre. Et ça, malheureusement, on n'insiste pas là-dessus. Mais les universitaires, de plus en plus, ont divorcé avec le peuple. Parce qu'ils sont à un piédestal qui ne leur permet même plus de comprendre les préoccupations du moment du peuple. Et je pense que donc c'est un universitaire humble qui devra non pas divorcer en tout cas de sa mission classique de diffuser le savoir, de soumettre ce savoir à la critique, de douter pour naturellement cette exigence de vérité dont tu as parlé. Dans ton propos introductif, mais c'est une université qui doit être proche des peuples. Parce que finalement, l'universitaire est au service de sa nation. Donc, il n'est plus le foyer ultime de la production d'idées, il doit se mettre à l'école, Pas du tout, pas donc du du tout. peuple et de ses imaginaires. Quand vous assistez sur des plateaux à des échanges entre quelquefois des universitaires et des personnes qui ne sont pas investies peut-être de ce statut, j'ai l'impression que le statut véritablement d'universitaire est quelquefois usurpé par ceux qui l'invoquent en brandissant leur titre pompeux, leur éloquence grandiloquente pour ne pas se faire comprendre.
Je pense que les populations comprennent ce qu'ils sont justement visés et qui ambitionnent de faire de la vérité le métronome de leur idée et de leur propos. Et la justice, sans maniaque, je vous remercie. Merci beaucoup. Un grand merci, vraiment.